Vous voulez répondre ? Allez-y, mais ensuite on va donner la parole aux autres. Parce que... Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants qu'il a cités au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples, oui. Et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de la souffrance. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées, oui, par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances que, à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger. Ne les aggravons pas, aux civils d'Ukraine. La réponse militaire, oui, les aggravera. Conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision, soit la bonne réponse. Ah bah, écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à apaiser la situation.